Au Mali, la Cour suprême a confirmé lundi 13 mars la condamnation d'Orange Mali et de Move Africa Malitel à payer près de 176 milliards de francs CFA au réseau des consommateurs maliens de téléphonie mobile. Cette association de consommateurs accusait les deux opérateurs de facturer les minutes d'appel sur répondeur. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a remis le jeudi 16 mars plusieurs aéronefs de combat au chef d'état-major de l'armée de l'air. Il s'agit d'équipements russes et turcs composés d'avions d'attaque et d'entraînement, ainsi que de nouveaux systèmes de drones, annonce l'armée. À l'issue d'une réunion virtuelle le lundi dernier, la médiation internationale a indiqué qu'elle poursuivra ses démarches dans les jours à venir auprès des parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation pour leur soumettre des propositions concrètes en vue de relancer et d'accélérer le processus de mise en œuvre. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu jeudi après-midi le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, porteur des messages du colonel Assimi Goïta. Les échanges ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans les deux pays. 64 Burkinabés résidents en Tunisie sont arrivés mercredi à Ouagadougou. Un retour volontaire organisé par les autorités burkinabées suite aux récentes déclarations controversées du chef de l'État tunisien sur les migrants subsahariens. Au Niger, des milliers de migrants expulsés d'Algérie sont arrivés à pied à Samaka, une ville de la région d'Agadez, alerte Médecins sans frontières. Ils sont bloqués sans accès à un abri ni à des soins de santé ou encore à la protection et aux produits de première nécessité. Entre le 11 janvier et le 3 mars 2023, plus de 4 500 personnes en situation d'immigration ont été recensées.